Depuis qu'on a commencé cette histoire, je savais qu'il y aurait toujours un problème de jeu, de libération des joueurs. J'avais toujours dit, moi, j'ai toujours opté sur un plan A d'abord, B et C. Aujourd'hui, je suis avec le plan B. Parce que, vous savez, ce n'est pas une date FIFA. Les clubs ne sont pas obligés de libérer les joueurs. Donc, c'est pour ça que, heureusement pour moi, j'ai une partie de l'effectif qui a joué la CAN. Et tous ces jeunes-là, presque à part quelques-uns, après ceux qui ont plus de 20, 23 ans, les Salam, tous ces jeunes ont joué les trois matchs amicaux qu'on a eu à faire en 2023 et en 2024. Donc c'est un peu notre force. On a juste un petit prix. On a vu, dans la vie, il faut traverser le terrain. J'ai toujours pensé que moi personnellement, que ces joueurs-là, je ne les aurais pas. Donc, je n'ai pas travaillé dans ce sens. C'est pour cela que vous avez vu cibler les joueurs comme Salam, comme Ali Rango, qui a l'expérience. Demba. Qui a joué Demba Diallo pour le profil des élus. Je savais que Nene n'était pas là, je savais que Bilal ne serait pas là, je savais que Demba Gingo et les autres ne seront pas là. Et même au niveau de l'équipe, c'est quelques gens qu'on a ciblés. Bon. Sinabo, par exemple, était parmi les gens ciblés. On a fait les profils. On a des jeunes aussi. Hein. Vous savez, le Mali, ce n'est pas seulement l'équipe ou les autres équipes. Il y a tellement de jeunes, ils sont nombreux. Il faut leur donner la chance. Il y a certains qui attendent d'être vus. Ils ne demandent qu'à être vus. L'occasion est offerte pour eux. Je pense que ça a écrit l'histoire. Surtout, ce peuple a vraiment besoin de la victoire et de la fin. Coach, globalement, donc, comment se porte Bamanangana sisan alors i bɛ kabala yan bi ni ka denmisɛnw a bila ka jeux olympiques o de labɛn coach ni ka groupe bi a bɛ cogo di problème ma deli ka tɛmɛ ne ni n ka groupe cɛ a tɛna tɛmɛ ne ni n fana cɛ j'ai cette chance quand même d'être un père pour ses enfants là de voilà problème tɛ ne ni n ka groupe cɛ ma deli ka kɛ problème tɛ ka kɛ ne ka Coach, il n'y a pas de joueur qui a fait ça. Alkele. Aïe. Tu vois, le club, il y a des dates FIFA. Donc, il y a des clubs qui ont fait ça. Merci. Il y a des gens qui ont fait ça. Quel est le bonheur? Il y a des gens qui ont fait ça. Gaucher. C'est quand même un joueur de plus. C'est un bon joueur parce qu'il a joué la CAN avec nous, il a joué tout le match avec nous. À ma match, il est quoi. Donc c'est vraiment un élément important dans l'équipe là. Donc, on a mis la Daïla quoi. Et ni notre Dalentin Antinatare, ni Dalentin Antinatare. On a mis la compagnie qui a compactement du menace. Ah ben. Merci. Avec l'équipe, ah ben. Coach, il y a un groupe composition. Tu sais, il y a qui là du groupe Groupe Kagelin. C'est trois équipes savoir avec un style léger. Ok? Si style léger américain, ça c'est les jeux, ça n'y a pas de ballon d'Alendouma. Israël aussi, c'est un peu le football oriental et l'Europe, à peine 1 million de points. Bon, le Japon, c'est l'Asie, hein, le ballon, et le lâche pas. Le Japon est courageux. T'es blagué, j'avais marché, t'es blagué. Enfin, on a pris un grand bâble. Académie a fini. Académie, on est décidé. On a vraiment décidé de nous. Vraiment. Où est-ce qu'on a vu la tangue? Oui, le temps de nous gagner, c'est malin, nous, les Français, nous, les Béa. Parce que baisse les noms de nous. Ah, ben, on doit gagner, pardon. On doit gagner. Parce que nous, on va faire un gros truc à main. On doit gagner. Tout en bas, on doit gagner du bébé. On doit faire un bébé dans une soirée, on doit faire un target. Nous avons fait un peu de temps. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui Je pense que je n'ai drapeau respecté. Je n'ai pas de drapeau respecté. Je n'ai pas de drapeau respecté. Je n'ai pas de drapeau respecté.
coach de délégation va la madame Saratoune ou pas visa pour le problème ta côté chez la France. Ben même fait entraîneur Gabaraga et tout pendant. Supporter Gabaraga et supporter dirigeant Gabaraga et dirigeant. On ben mon ngoni ni ni un groupe pour ça la mafie. La blessure bien fait mon mafie. Ben front mafie. Ben mieux faire organiser. Quand tu m'as joué joueur là. Ça va. Regarde moi. Ngai foi tanje. Les Jeux olympiques de Paris 2024, comment se passent les préparatifs ici à Kabbalah? Très bien. D'abord, je remercie la presse pour avoir fait le déplacement. Les Jeux olympiques ne peuvent pas bien se passer sans la presse. Donc, je remercie pour ça. La préparation, comme vous voyez, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes rentrés le lundi. On a réussi le travail foncier, on a récupéré les joueurs 1 à 1. Donc le dernier qui est venu, c'est Salam de donc actuellement, les préparateurs physiques sont quand même très en œuvre pour quand même avoir une certaine. Parce que les joueurs, quand même, ils sont allés en France depuis le mois de mai. Hein. C'est un peu trop longtemps nécessaire. Pour ce côté, il n'y a pas de problème, ils sont bien logés. Il n'y a aucun, vraiment aucun problème. Même les nouveaux qui sont arrivés s'adaptent. Et nous avons un groupe vraiment qui vit très bien. Donc, c'est des jeunes qui vraiment. Ça fait vraiment plaisir d'entraîner ces jeunes-là parce qu'ils sont vraiment là pour l'objectif bien fixé. Ça va être la deuxième participation de l'équipe de football du Mali aux Jeux olympiques, après 2004, 20 ans après. Alors, quel est l'objectif principal pour Conti et ses joueurs? D'abord, faire mieux qu'en 2004. Faire mieux en 2004, ça veut dire aller en demi-finale et une médaille. C'est notre objectif. Parce que nous avons pour objectif que quand même de ramener une médaille pour les peuples maliens qui a tant souffert. Coach, on sait que ça va passer par les matchs de poule. Oui. Comment vous appréciez les groupes du Mali? C'est des groupes très élevés. Quand vous voyez l'Israël qui est quand même demi-finaliste au niveau de la catégorie en Coupe d'Europe là-bas. Ils ont quelques jeunes qui jouent à gauche et à droite partout en Europe. Ensuite, il y a le Paraguay, vous savez, c'est un football solide, technique, qui a des fruits de passe. C'est le sud-américain, ça va être très compliqué. Ensuite, il y a le Japon que nous avons joué il y a quelques mois. Il y a un football asiatique, rapide, fait aussi de vitesse, beaucoup de répétitions de vitesse. Nous savons ce qu'on nous attend. Nous avons joué, nous eu la chance de jouer l'Ouzbékistan parce que l'Ouzbékistan a joué la finale contre le Japon. Le Japon a gagné 1-0. C'était une finale qui a été vraiment très disputée. Le Japon a marqué à la 95e minute, les Ouzbeks ont eu le pénalty à la 98e minute. Moi, je pense que les deux matchs de l'Ouzbékistan ont été des matchs très, très bénéfiques pour nous parce que moi-même, je ne sais pas, c'est le football, hein, j'ai trouvé l'Ouzbékistan plus efficace et plus dur que le Japon, mais c'est le football. On va être prêts. C'est un match de. Il faut sortir de la poule, il faut être sérieux, très concentré. Coach, on a appris qu'il y a une deuxième phase de préparation à Paris. Comment oui. Elle va se dérouler? Elle va commencer en écoutant ici la nuit du 9 au 10. On avait un match contre le 12 contre Laval. Bon, Laval, le terrain qui a été choisi, Laval n'a pas voulu se déplacer. À un moment, ensuite, on a voulu faire l'effort pour aller jouer ici. Parce que c'est une heure de bus. C'est dans la région de la Sarthe, au Mans. Ensuite, ils ont pris un coach qui dit que lui, il ne souhaite pas jouer contre les Mali tout de suite parce qu'il trouve que c'est un peu lourd. Donc, il a intérêt à voir ses éléments pour le moment. Bon, le deuxième aura lieu le 17 contre Caen, une équipe de Dédé, qui sera à Londres, dans notre base de la base d'internet. Donc, finalement, nous aurons que le deuxième match aura lieu contre Bobigny. Ça, c'est Bobigny, qui connaît Bobigny, c'est presque l'équipe du Mali là-bas, hein, en national. Les présidents, les dirigeants, tout le monde est malien. Tout le monde est avec moi. J'ai été là-bas, j'ai vu les entraînements. J'ai vu les présidents, j'ai vu tout le monde. Donc c'est assez un match amical, fraternel. Parce qu'il fallait jouer ça. Il fallait jouer ce match pour faire plaisir aux gens qui sont là-bas. Mais c'est vraiment une bonne équipe. Je les ai vus jouer. C'est une bonne équipe. Donc ça, c'est les deux matchs qu'on va avoir.
vu qu'on voyage le 9, c'était le voyage était prévu normal le 8. La route du 8 au 9. Hein. Nous allons voyager dans la route du 9 au 10. Donc, à deux jours, arrivé là-bas le 10, on ne peut pas jouer un match. Il y avait quelques prétendants, mais on va se limiter à ces deux matchs. Et se focaliser sur les premières phases avec l'Israël, le 24. Merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir, je m'appelle Wilson Samaki, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Je suis attaquant au Stade Rennais et je suis en sélection du Mali. Est-ce que vous êtes excité à prendre part aux Jeux Olympiques avec les Aigles U23? Bien sûr, en plus je viens de Paris. C'est sûr que faire les Jeux en France, surtout à Paris, voilà, c'est excitant. Il y aura ma famille, mes amis. Et en France, il y a beaucoup de Maliens. Ça fait qu'on sera beaucoup soutenus. Et voilà, là, on se prépare correctement pour faire des bons jeux. On connaît la composition du groupe du Mali. Et c'est quoi votre avis par rapport à ça? Bah, les chances du Mali, tout ça. Très, très bon groupe. Voilà, moi, j'ai connu le groupe au mois de mars, lors de ma sélection contre le Japon. J'ai directement été bien accueilli. Voilà, on travaille bien tous ensemble et on veut tous aller au même endroit. Alors, quelles sont les chances du Mali à ces Jeux de Paris 2024? On a toutes nos chances. Voilà, on sait que si on travaille bien, on fait une bonne préparation, bah on va aller le plus loin possible. Comment vous trouvez les conditions ici à Kabala? Très bien. Moi, c'est ma première en plus au Mali. Voilà, on a très bien été accueillis. Voilà, on a un bon terrain, on mange bien, on a des bonnes conditions pour travailler. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de la communauté malienne à Paris, aux Maliens tout court? Comment? Un appel à l'endroit des Maliens pour vous soutenir à Paris? Bah, pas forcément un appel parce qu'on sait déjà que voilà, le peuple malien nous soutient. Voilà, j'espère qu'ils seront présents lors de ce tournoi. En tout cas, nous sur le terrain, on va tout donner pour bien représenter le peuple. Okay. Très très bon état d'esprit. Voilà, comme je l'ai dit auparavant, on travaille très très bien, on est dans des bonnes conditions. Et je pense qu'on va bien représenter le peuple. Okay. Bonne chance. Merci. Vous préparez pour aller à Paris pour les Jeux 24. Comment se porte le groupe à ces Jeux? Ah, franchement, ils sont bien, une bonne ambiance, on travaille bien et alors on sera prêt pour les Jeux. Alors, vous connaissez d'abord déjà vos adversaires de poule. Ouais. Vous avez eu des matchs de préparation. Est-ce qu'il y a des matchs qui sont un peu similaires par rapport au profil des adversaires de poule? Ouais, à peu près. Hein. Après tous les matchs amicaux de préparation, c'est un peu pareil. Hein. Enfin, un peu pareil, c'est pour tester l'équipe, c'est pour tester les sensations. Donc on verra quand même. Ça va être la deuxième fois que le Mali va participer à cette compétition. La première, le Mali est parvenu quand même à atteindre les quarts de finale. Alors, vous? Bah, franchement, ouais, on a suivi le parcours. On sait très bien que ça arrive encore de finale et tout. Et on espère faire mieux. On espère faire mieux parce que voilà, on est une nouvelle génération. Et ça sera un cachet de ne pas aller loin. Il y a une communauté malienne à Paris. Est-ce que vous avez un appel à leur embrayer aux Maliens tout court? Bien sûr, moi je suis de Paris, j'ai beaucoup d'amis maliens là-bas, j'ai ma famille, etc. Et on sait que le jeu, ça va être très très spécial à Paris. C'est la deuxième maison, c'est dans ma côte 2, donc voilà, on sera prêt et on les attend. Surtout le Mali va jouer deux matchs au Parc des Princes. Deux matchs à domicile, sans ça. Enfin, okay. C'est sûr et certain. Donc non, franchement, on a hâte d'arriver à ce moment-là et on espère que tout va bien se passer. Ok. Merci. Alors, vous préparez pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Alors, comment la préparation se passe-t-elle ici à Kabala? Ça va, hein. On a entamé la préparation. Tout le monde va bien, il n'y a pas de blessure après la saison. On commence doucement, progressivement, pour avoir la forme parce qu'on était en vacances et tout. Mais voilà, l'ambiance est bonne, on prépare bien. Alors, vous avez décroché une qualification historique à ces JO. Quel sera le mot d'ordre à Paris? C'est d'habitude, en fait, on joue la compétition pas pour jouer, on part pour gagner, pour présenter le pays. Et nous, on part aux JO pour remporter les médailles, pour aller faire le beau ou quoi que ce soit, mais c'est pour aller gagner les médailles et remporter. Et on revient au Mali avec la fierté. Un mot sur les conditions de préparation ici, à Bamako? Actuellement, ça va. On ne se plaint pas, tout va bien, on mange bien, on se repose bien, on a les équipements pour travailler bien, ça va. Je suis à Bamanaka. Je suis à Noula. Je suis à Fabuka à la 25 à la Jeux Olympiques à Paris 2024. La même chose de Nouati. Bon, la même chose. On est revenu vacances là, donc on en a de l'internat là, donc on va essayer de blesser le TFU.
Donc je suis impliqué à Malais, quand on a mis des canadiens malais, on m'a ramalé en nation déjà, comme ça fait 20 ans, Malais, on m'a tassé les canadiens. Donc en fait, on a fait la fin de la situation. Là, c'est le groupe où est-ce que vous avez dit? Oui, oui, parce que je crois que, mais, il y a la majorité du membre, ça fait 10 ans, donc, ils sont bien intégrés et tout, donc ça va. Malais, on clôt, il y a eu ça, mon fouet. Bon, mais Malais, il faut, moi, il faut avoir là, moi, il y a Malais, on fait quoi? Bonne chance. Merci. Ibra. Fato, c'est toi, Fato, Fato, Ça c'est Wilson. On a bien entraînement à Jeffro. Pousse. Ça va? Calme, bébé, tranquille. Ouais. Voilà, ok. Voilà, allez le Benigao, lui là c'est un salaud. C'est un salaud, il est salaud. Aïe, amine, on va le Madame Nabide.